Après avoir vu avec vous dernièrement la technique de la fake drop, nous allons maintenant passer à quelque chose de plus technique. Juste, je vais vous parler de la pince. Cela risque d'être un peu plus long que le drop, parce que nous allons passer par différentes étapes pour essayer d'analyser, de comprendre le mieux possible la technique et le principe de cette. Pour commencer, nous allons voir déjà comment nous allons tenir la canette. On a un peu. Si c'est important, on va bien mettre la main. Voilà. Posez-le. La pomme doit être recouvrée. Comme ça. Le talon doit rester collé sur le pied. En fait, dans la tête, à la tête tombée, ce n'est pas la poignée qui va donner les mouvements, mais le bras, là, voire là, qui va donner les animations. Comme ça, et sans. Ça, tout le sens de mouvement, voire le mouvement. En fait, le principe de base, nous allons commencer par des animations très simples. Juste nous allons faire des posés, relever, poser, relever. Le principe de base est premier. On suit la douleur. On prend contact pour garder la balance tendue. Donc on abaisse la canne pour que le leurre redescende doucement de lui-même. C'est-à-dire, on ne dit pas de faire pas, et hop, on le laisse le leurre tomber. Non. On peut croire, hein. On se lève, on tend la bannière tendue et on pose. On se lève, on tend la bannière tendue et on pose. Nous allons commencer toute cette première partie par cette animation simple. Nous essayerons aussi par la suite de. On se lève, paf, un petit coup sec, on tend, on pose. Pour faire des variations. Voilà. On va voir maintenant, on va poser. Comment on marche. Comme là, on peut se faire. Le bras, la canne, le sol. Le bras, il va faire les mouvements. Donc là, quand on l'a dans l'eau, il va rentrer sa position. Il contrôle très bien sa position. Il capte le leurre, ça crée. Mais au cas de garder la bannière tendue. Là, le mouvement. Ah, le bas. La basse, la canne. Ah, le mouvement. Ah, la basse, la canne. Sortez la canne sur le côté. Ah, bien. Ah. Hop. Le contrôle. La basse sur la canne. Par le bras. La bannière, ça vient de changer. Accompagner la descente de l'air, on la descend. La marquerie, c'est que le bras qui travaille. Le père. Garder la bannière tendue qu'on avait. Le deux, on nous dit que jamais